on boit comme on veut. Tu veux savoir pourquoi? Hey. À l'heure actuelle, les devanciers de la nouvelle génération, mm-hmm. on dira, c'est Kif Nobi, mm-hmm. Suspect 95. Ouais. Le regard que tu as aujourd'hui sur le rap ivoire, c'est lequel? C'est que finalement, on y est arrivé en fait. C'est ce qu'on voulait. On voulait que. Pendant longtemps, on n'écoutait que Zoublou, le coupé décalé dans les bars. Ouais. Donc, si. Le combat qu'on a mené pendant toutes ces années, c'était qu'on respecte aussi, c'est-à-dire qu'on considère le rap aussi comme une musique de Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Dieu merci, il y a maintenant le rap ivoire. On a finalement réussi à avoir notre propre culture, notre propre identité. Mm-hmm. On a créé notre propre chose. Voilà, on nous joue en boîte aussi au même titre, on fait les concerts au même titre que. C'est tout ce qu'on voulait. On voulait juste que le rap ait sa place là. Donc chacun de vous sort des sons, Didi B a sorti des sons, mm-hmm. toi pareillement, Joshard, mm-hmm. MJ, Black K. Qu'est-ce qui vous a motivé aujourd'hui à faire chemin à part? On a fonctionné ensemble pendant 10 ans. Mm-hmm. On dit on va voir maintenant ce don. Monsieur de quoi chacun est capable. Est capable individuellement. Individuellement, voilà. D'accord. Suivez votre émission Fafa avec Elone, ex-membre du groupe Kif Nobi, ce samedi 20 mars 2021 dès 12h et la rediffusion dimanche 21 mars à 17h.